vidéo préparée, la vidéo qui vient de là-bas, là, pour Vano. On a une vidéo pour toi. Je voudrais que tu prêtes bien les oreilles pour écouter ce que la personne a dit. Quoi? Tu sais qui parle? Bah ouais, c'est Adino le neveu. Tu as entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Bah c'est un plaisantin. Adino, c'est un plaisantin. Bah ouais, c'est beaucoup plus un clown qu'un artiste. Donc franchement... Attendez, je veux comprendre. C'est quoi entre Adino Nerveux et toi? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème? Aucun. J'en ai pas avec lui. Ou bien c'est parce qu'à un moment donné, il a commencé à s'en prendre à Blaze, que toi aussi, tu t'es mise dans la danse? Je pense que pour moi, Blaze, côté musical, c'est la personne qu'il ne faut pas toucher. Donc, c'est parce qu'il a commencé à toucher à Blaze que tu as réagi? Ou bien c'est quoi? C'est quoi la base de votre... de vos clashs, je pense, en fait. Que si tu lui poses la question, il ne pourrait pas trouver exactement la réponse. Mais est-ce que tu reconnais que c'est un devancier? C'est un devancier, c'est un aîné. C'est un aîné. Ouais. Et tu as dit tout à l'heure que tu respectes beaucoup les aînés. Ça n'empêche pas le fait que qu'il soit un plaisantin. Quoi? Tu assumes ce que tu dis, hein? Totalement. Mais je te dis que lui, c'est un total plaisantin. Mais pourquoi tu dis ça? Nous, on est en train de se battre pour avoir une carrière. La première fois que lui, il a vu l'Europe, est-il dans... Moi, chaque mois, je suis en France, ou à mon fils. Là, dans quelques jours, mon billet était déjà prévu depuis des mois pour aller voir mon fils. Lui, la première fois qu'il est rentré dans un avion, qu'il est arrivé en France, il a calé. Quand je te parlais de boulot tout à l'heure, je t'ai parlé avec sincérité. Tu as vu qu'il y avait beaucoup de douleur dedans. Il n'a pas pu supporter la douleur dedans. C'est pas facile. En fait, ce qu'on a envie d'entendre de lui, c'est d'encourager quelqu'un. Parce qu'il connaît les rouages du métier. Est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui, Adino le nerveux, le rap, c'est votre game? Ouais. Est-ce qu'il ne s'identifie pas quand même aujourd'hui comme celui-là qui fait encore quand même un peu bouger les choses? Parce qu'à un moment donné, on sent que ça dort un peu trop. Mais quand il met le piquant, ça prend. Mais trouve-lui une place à la télé, comme ça on sait qui met. Non, mais à la télé, on ne fait pas ce que vous faites dans le... Mais créez-lui une émission, au moins on sait ça. Parce qu'en tant qu'artiste, excusez-moi, il est foutu.